font notre légume qui est là. Nous, aujourd'hui, nous allons préparer aussi notre ngaï ngaï. Notre ngaï ngaï, nous appelons ça aussi les feuilles de biscasse. Et voilà, les ngaï ngaï est là. Bon, je vois aussi les autres appelés les oseilles. Mais nous appelons ngaï ngaï. Ngaï ngaï que je vais préparer aujourd'hui aussi. Et c'est une commande aussi spéciale. Et la personne qui a commandé cela, elle fait bien manger les ngaï ngaï. Nous allons, avec notre amarante, aujourd'hui nous allons préparer ça. Et voilà, bande kwa bolingo. Lelo yo tozali kolamba mikolo ya fete, yenga ya fete. To sepe toli amiso ngaï ngaï. Ngaï ngaï yo eza commande spéciale, moutou apesi alobiye akoli ya ngaï ngaï. Bonjour, bonjour, bonne année à tous et vive 2020, nous sommes là. N'oubliez toujours pas qu'il y a aussi les Malewa au rendez-vous. Il y a les Malewa au rendez-vous et je venais de vous dire qu'aujourd'hui nous allons préparer les ngaï ngaï. Voilà, et je venais d'épiler les ngaï ngaï. Il y en a d'autres qui font ça facilement, écrasé dans une casserole. Mais moi, j'ai fait ça avec les mortiers et les pilons. Et c'est juste maintenant que je sors des ngaï ngaï dans mon mortier. Ben, nous préparons cette oseille de manière kassaïenne. Hein? Nous, parce qu'il y a un kassaïen qui veut bien manger les ngaï ngaï. Nous les faisons de cette manière. Et qu'est-ce que nous allons mettre dedans? Et suivez un peu comment nous allons préparer ça. Nous avons nos oignons. Il y a les oignons que nous allons mettre dans notre ngaï ngaï. Nous avons aussi notre tomate, une tomate fraîche que nous venons de couper pour mettre dans notre ngaï ngaï d'aujourd'hui. Voilà, il y a quatre aubergines, les aubergines africaines que nous allons aussi mettre dans notre ngaï ngaï. N'oubliez pas, j'avais dit bien que je prépare pour un kassaïen. Lui, il veut bien manger de cette manière-ci. Sans oublier notre huile de palme. Comme d'habitude, elle n'aime pas assez de l'huile. Il n'aime pas assez d'huile vraiment dans les légumes. Nous allons mettre un tout petit peu. Et voilà, et j'ai déjà enlevé dans les mortiers. Je viens d'enlever les ngaï ngaï. Dans une casserole au feu, nous ajoutons la tomate, voilà, la tomate est là. Nous ajoutons quoi encore? Nous ajoutons les oignons. Et quoi de plus? Un peu d'huile, un tout petit peu. J'aime pas cette huile, un tout petit peu. Voilà, nous avons mis, nous venons d'ajouter les aubergines africaines. Et voilà, nous allons laisser un temps pour que la nourriture puisse cuire, juste le temps de mélanger tout ça, tous les ingrédients. Voilà, je tourne ma casserole, je tourne la nourriture. Et voilà, nous couvrons pour quelques... Bonne année, vive 2020. Et nous sommes en train de fêter la nouvelle année. Nous ne les fêtons pas toujours avec les poulets. Comme vous croyez, ici à Kinshasa, nous fêtons aussi avec les légumes. Pas toujours forcément avec les poulets, les poissons, la viande. Nous fêtons aussi avec
notre légume. Nous fêtons aujourd'hui la nouvelle année avec les Ngaï Ngaï. Les Ngaï Ngaï, qu'un KCM m'a demandé de faire pour lui. Et je vous ai montré dans la vidéo précédente, la première partie, je vous ai montré comment je préparais les légumes, comment je m'apprêtais à faire les légumes pour la nouvelle année. Nous avons choisi ça pour quelqu'un qui veut bien qu'on les fasse de la manière kassayenne. Et je vais récapituler comment nous avons fait notre ngaï ngaï. Il suffisait d'avoir les ngaï ngaï, avoir les aubergines africaines, avoir la tomate, l'oignon, un peu d'huile de palme. Et j'ai bien nettoyé mes ngaï ngaï, j'ai bien nettoyé les ngaï ngaï. Après avoir les nettoyé, qu'est-ce que j'ai fait? C'est seulement avec cette eau-là, avec laquelle j'avais nettoyé, pas ajouter de l'eau, faire blanchir. Et après cela, mettre dans une casserole vide, faire blanchir les légumes. Et après avoir blanchi, mettre dans les mortiers, piler, puis remettre dans une autre casserole, ajouter de l'eau, un peu d'oignon, tomate. Et comme il aime bien les aubergines, j'ai ajouté les aubergines africaines avec un tout petit huile. Et je crois bien que c'est ça, c'est fini. Et j'ai couvert. Et voilà, et comme c'est un vrai casséen qui se respecte, il veut bien qu'on lui ajoute l'ingilou. Vous voyez l'ingilou? L'ingilou, c'est quoi? C'est l'aubergine africaine. C'est comme ça, on appelle ça un chilouba. Bien qu'on a préparé à l'intérieur, mais il veut bien qu'on le mette aussi à côté. On l'a ajouté. Voilà, sans piment, comme tout un casséen qui se respecte. Voilà, bonne année, vive la nouvelle année, bye et à la prochaine. Basmati, on le pré-cuit pour faire du riz sauté. Il faut faire comme ceci, le faire cuire et puis laisser refroidir. Faire toujours sur le riz sauté pour un meilleur résultat, sur base d'un riz froid. Parce que si le riz est chaud, la cuisson continue. Quand vous allez mélanger ça aux légumes, ça va continuer encore à cuire. Plus vous allez obtenir de la paella et pas du riz sauté. Ça va devenir poto-poto comme on dit. Et tika la monko-monko, c'est la stratégie. On peut les camper. Basmati est un riz naturellement parfumé. Différent du riz thaï qui lui est parfumé au jasmin. Break, the shadow starts to fade.